Donc, la séance est consacrée à cet ouvrage qui vient de sortir en 2021 et donc qui est issu des travaux du séminaire, mais pas que. Donc, il s'intitule Métropole mobile, défis institutionnels et politiques de la mobilité dans les métropoles françaises, et donc qui est coordonné par Mathieu Flonneau, Maxime Huret et Arnaud Passalacqua, avec une préface de Philippe Zitoun et une postface de Jean-Marc Hoffner. Et donc, on a intitulé cette séance Métropole mobile, stop ou encore, avec un point d'interrogation. Dans l'idée de l'organisation de cette séance, on a proposé l'agencement suivant que je vous mets à disposition. Donc, je vais présenter succinctement l'ouvrage en 5 minutes, en ma qualité de découvreur de l'ouvrage, parce que je n'y ai pas participé, si ce n'est valider une aide financière à l'ouvrage. Puis, une présentation un peu plus approfondie de Mathieu Flonneau, Maxime Huret et puis Arnaud Passalacqua en 5 minutes aussi. Ensuite, donc, je poserai quelques questions en guise d'ouverture à Philippe Zitoun pour qu'il nous fasse un retour sur sa préface dans une dizaine de minutes. Et ensuite, donc, un questionnement plus large sur l'ouvrage avec les trois directeurs, coordinateurs de l'ouvrage. Et pour terminer sur l'ouvrage en particulier, donc Jean-Marc Hoffner reviendra sur sa postface en une quinzaine de minutes. Et Pierre Vermeyren, donc, dont nous parlerons et dont je présenterai aussi l'ouvrage, fera peut-être un contrepoint sur la métropolisation en lien avec les mobilités. Et nous ouvrirons donc la discussion pour une trentaine de minutes, voire un peu plus, dépendamment si on arrive à tenir le timing. T'en as du coup, parce que moi je les ai oubliés Sébastien Gardon est là, c'est bien. Salut à la Sébastien. maison et je vais les ramener quand je vais revenir et ça me manque. Ouais. Ah, merci. Ah, attends, donc. Ah oui, ah, bah, alors, c'est plus ceux de Caroline. J'ai plus ceux de Caroline. Je vais utiliser mon droit et couper Sébastien Gardon pendant qu'il discute, donc ça c'est fait. Donc, pour commencer avec vous, avec la présentation que je peux faire de cet ouvrage, donc, et je vais essayer de tenir 5 minutes et d'être précis. Donc c'est un ouvrage donc qui s'ancre dans un séminaire qui s'appelle donc Passé, Présent, Mobilité, qui existe depuis 2005 et donc qui a 16 ans d'âge. Et donc vous pouvez retrouver l'entièreté des 16 années de séminaire sur le site ap2m.hypothèse.org. Et ce séminaire a été fondé entre autres par Mathieu Flonneau et puis Vincent Guignot. Ce séminaire est adossé à l'association Passé Présent Mobilité, qui a été fondée en 2012 par une vingtaine de chercheurs qui souhaitaient avoir une approche pluridisciplinaire des mobilités. Et donc, en ce sens-là, nous sommes ici pour discuter donc du troisième ouvrage publié dans ce cadre-là. Et donc, ce troisième volume s'inscrit dans une histoire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis les précédents ouvrages. Publié aussi au Presse Ministère de Rennes. Donc le premier ouvrage donc de l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité, qui était publié en 2009, se voulait questionner le paradigme possible d'une approche des pluridisciplinaire donc des transports à l'histoire de la mobilité. Mais le point d'interrogation était important à ce moment-là. Il s'agissait de savoir si on passait de l'un à l'autre ou bien si l'on faisait les deux en même temps. Puis s'en est suivi donc un deuxième ouvrage en 2014 intitulé donc Les transports de la démocratie, avec une approche historique des enjeux politiques de la mobilité. Donc on voit un peu le déplacement d'une approche plurimodale, mais particulièrement historique, à une approche plutôt politique des mobilités. Enfin, donc cet ouvrage dont on va discuter
qui s'intitule donc Métropole mobile, avec donc défis institutionnels pardon, et politiques de la mobilité dans les métropoles françaises, donc qui regroupe 20 chercheurs de disciplines différentes, donc j'en liste quelques-unes, histoire, sciences politiques, urbanisme, géographie, sociologie. Donc il est, cet ouvrage est encadré donc, par une préface de Philippe Zitoun qui est intitulée « Le désordre politique de la mobilité ». Donc peut-être qu'il y aura à éclaircir ce titre. Et puis se termine donc, par une postface de Jean-Marc Hoffner intitulée « Métropole mobile » dont Jean-Marc nous parlera plus en détail. Pour entrer dans le détail, donc, alors, il faut quand même que je souligne d'un point de vue politique et d'un point de vue de responsabilité que l'ouvrage a été soutenu par l'association VIGS et l'association P2M, par le LABEX IMU, puis le Forum Bimobile et l'Université de Paris avec le laboratoire ICT. Pour ce qui est donc de la table des matières que vous avez, dont je vous ai mis le lien sur le PowerPoint et donc vous pouvez retrouver sur le site des presses universitaires de Rennes. Donc cet ouvrage est organisé en deux parties, avec une première partie intitulée La construction politique des mobilités métropolitaines, avec 5 contributions, où il est question principalement des conséquences de l'émergence des métropoles dans les politiques de transport de la ville. Et une seconde partie qui est plus contemporaine, où il est question d'analyser les mobilités dans les périphéries métropolitaines en particulier. Et donc, là-dessus, je cède la parole, puisque j'ai presque épuisé mon temps, aux trois coordinateurs donc, de l'ouvrage, que sont Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua et Maxime Muret. Peut-être que je vais arrêter le partage. Arnaud, Maxime. Ah ben, moi, je peux commencer, mais ou Maxime ou Mathieu, au choix. Voilà, c'est ce problème d'être en trio. Non, vas-y, Arnaud. Non, ben moi je vais commencer en vous remerciant toutes et tous de participer et effectivement en étant ravi de pouvoir présenter cet ouvrage qu'on a eu plaisir à coordonner et à faire arriver malgré le confinement, etc. Et je vais essayer de reprendre juste les quelques points principaux nous qu'on a pu mettre dans notre introduction. Donc en fait, en constatant que la métropole, ce mot est maintenant même institutionnel, eh bien en fait ça correspond à une forme de recherche d'une nouvelle échelle d'action, de fonctionnement, alors que ce soit une échelle d'action politique, que ce soit donc de fonctionnement politique, mais aussi une échelle d'action des pratiques de déplacement. Donc en fait finalement tout le monde est peut-être en train de chercher ce que c'est que cette échelle, par différents biais, différentes pratiques, différents points de vue. Et moi, je pense qu'on peut reprendre un petit peu trois acceptions de la métropole telles qu'elles peuvent nous intéresser dans cet ouvrage. On a d'abord un mot un peu métropole qui renverrait presque à son sens dans, je sais pas, l'Antiquité, hein, c'est une sorte de ville-monde. Donc que ce soit alors peut-être Paris pour la France, ou une sorte de capitale régionale à l'échelle plutôt régionale, donc une métropole qui serait plutôt vue de loin en fait, ou qui est faite pour être vue de loin, avec une logique souvent historique ancienne, mais d'accroissement d'ailleurs de ces poids de métropole qui est aussi lié aux mobilités, à l'essor des chemins de fer, puis de l'automobile, de l'aérien, etc. Deuxième acception, on a une métropole qui serait plus une métropole fonctionnelle, qui est beaucoup moins évidente, parce qu'en fait, c'est un peu regarder avec la loupe, finalement, comment ça se passe localement. Et là, alors là, on est vraiment dans la question des périmètres, dans la question des pratiques, de la diffusion autour de ce territoire qui n'est pas forcément si bien défini.
Et on arrive bientôt en fait au problème troisième, c'est la métropole politique institutionnelle qui là, alors a beau être instituée en termes de nom hein, pour un certain nombre de villes françaises, renvoie encore beaucoup à des fragmentations institutionnelles très fortes et qui derrière pour les mobilités renvoie à des fragmentations de territoire, à des fragmentations aussi de système, c'est-à-dire par système de transport, puisqu'on va répartir les compétences et que donc la logique, je dirais, du premier brouvage de l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité n'est pas encore complètement achevée, mise en œuvre dans cette histoire entre passer du transport à la mobilité. Alors qu'on peut s'interroger de savoir si finalement, pour engager le débat, on n'est pas déjà avec un train de retard, puisqu'il ne faudrait-il pas passer de la mobilité à des formes de démobilité. Donc, on aurait des formes de retard déjà aggravées. Et puis, notre introduction aussi a souligné que l'ouvrage a essayé de porter un regard sur la diversité des situations. Parce que le mot métropole, en fait, il fait comme si tout était homogénéisé. Alors, on pense évidemment à une différence Paris-Province, pour le faire vite, et on a essayé d'avoir un équilibre entre quelques éléments plus grands parisiens ou Île-de-France, franciliens, et puis pas mal d'autres éléments autour de plusieurs agglomérations, pour le prendre comme ça, françaises, notamment Marseille, Lyon, Brest, par exemple. Et en fait, malgré en fait cette appellation commune, on a vraiment des diversités des situations locales qui font que la configuration politique, les choix entre fait-on le transport avec la métropole, contre-métropole, sans la métropole, oui, hello. Que Aurélien Del Piro a bien analysé, eh bien, sont pas les mêmes en fait selon les localités. Dernier point, en fait, notre ouvrage a aussi essayé d'éclairer les zones de territoire périphériques, on va le dire, qui sont finalement, on peut le constater, nous, en prenant cette casquette d'historien, en fait, méconnues, hein, les mobilités des périphéries, la façon dont elles se sont constituées, c'est pas quelque chose qui est très documenté d'un point de vue historien. Et donc c'est plutôt un chantier, mais ce que montrent les, non plus avec le regard historien, mais avec le regard plutôt urbain et géo, ou sociaux, hein, c'est qu'aujourd'hui, ces périphéries, d'une part, sont diffuses, dilatées, et mettent surtout en exergue, ce que ça met en exergue, c'est la place toujours centrale de l'automobile. Et pour finir là-dessus, hein, notre image, illustration de couverture, revient à la voiture, encore et toujours, pourrais-je dire, puisque le nombre d'articles illustrent bien le fait que finalement, métropolisation et automobilisation ne sont peut-être pas si incohérentes, si contradictoires, parce que c'est plutôt, en fait, ça va de pair, en quelque sorte. Voilà ce que je pourrais peut-être dire, et laisser la parole peut-être à mes deux collègues. Oui, alors on va faire... Maxime, tu vas prendre la parole. Ouais. On va faire vite, mais vous pouvez peut-être vous garder des éléments pour la deuxième partie où vous allez plus évoquer l'ouvrage. Mais rapidement, Maxime. En deux mots, alors. En deux mots pour compléter, Arnaud. Effectivement, ça fait un moment qu'au sein du séminaire P2M, on se rend compte aussi que finalement, les politiques de mobilité, elles sont façonnées par des dynamiques politiques. Et ça a été assez peu traité dans la recherche scientifique, ces dynamiques politiques de la mobilité ou ces dimensions un peu politiques de la mobilité. Et parmi ces dimensions, il y a la question institutionnelle. Il y a la question institutionnelle qui se pose, qui fait partie du quotidien des élus, de traiter de ces questions institutionnelles dans les réformes, dans l'organisation des pouvoirs urbains. Et donc, premier élément pour comprendre aussi la construction de ce livre, c'est qu'on a... On a aussi sollicité Philippe Zitoun et Jean-Marc Hoffner parce qu'ils ont eu, dans leur réflexion académique, mené des travaux sur ce lien entre, finalement, la construction institutionnelle, la construction politique des institutions, et puis les politiques de transport et de mobilité. Et c'est ça qui était intéressant aussi pour nous, de poursuivre cette discussion.
Et on s'aperçoit aussi à travers ces dynamiques politiques de la mobilité eh ben, qu'au final, la mobilité, ça peut aussi servir à organiser les pouvoirs politiques. Et ça peut aussi servir parfois à organiser les pouvoirs urbains. Et par exemple, on a un chapitre dans l'ouvrage avec Arnaud qui montre le lien étroit qui existe entre le Grand Paris Express aujourd'hui et la construction du Grand Paris politique, en tout cas dans l'imaginaire des décideurs qui construisent ce projet de Grand Paris Express. Juste pour faire une petite transition avec Mathieu, au final, nous, on n'a pas forcément traité dans cet ouvrage de la question de stop ou encore de la métropolisation et des mobilités, même si je pense que cet ouvrage, il peut permettre justement d'avancer dans ces réflexions qui sont d'actualité aujourd'hui et qu'on se pose sur la métropolisation. Voilà, je te laisse la parole, Mathieu. Je vais être très bref parce que Étienne m'a déjà écrit deux fois pour me demander d'être très bref. Donc, évidemment, le débat est ouvert. Et puis, de surcroît, j'ai fourni des éléments complémentaires pour introduire la séance. L'image, Arnaud a insisté dessus. J'ai beaucoup insisté pour que l'automobile soit présente et que les gilets jaunes soient présents parce que c'est quand même le gros cadavre dans le placard qui va ressurgir, me semble-t-il, et qui plane sur nos problématiques académiques. Première chose. Et c'est pourquoi je suis très pressé d'entendre Pierre Vermeulen s'exprimer sur le sujet, puisqu'on va commencer et on va commencer avec Philippe Zitoun sur le désordre métropolitain et on peut terminer aussi sur le désastre métropolitain. Et peut-être que Jean-Marc Hoffner arrivera à se glisser dedans comme il sait le faire avec une médiation constructive. Toujours est-il qu'il me semblait effectivement capital de rappeler, comme tu l'as fait Étienne, que c'est le troisième volume des actes de ce séminaire auquel on a toujours... vraiment plaisir à participer et que dès le premier, la thématique politique était sous-jacente. C'est-à-dire qu'on ne nous prenait pas vraiment au sérieux lorsqu'on disait que c'était quelque chose qui était politique. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la politique se prend au sérieux et ça devient de l'idéologie et on risque de discuter de ces questions-là également à la fin. Mais je laisse le débat complètement ouvert, mais il y a une vraie filiation, même si on est sorti des collections historiques des presses universitaires de Rennes pour venir dans une collection plus sciences politiques, on va dire. Enfin, l'arrière-fond historique, il existe et la discussion générale sera, à mon avis, intéressante de ce point de vue-là. Donc, Étienne, je ne suis pas plus long. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Maxime. Et puis, merci, Arnaud, pour avoir ouvert. Peut-être pour lancer Philippe Zitoun, donc politiste à l'ENTPE, je suis ravi de revoir. J'ai quelques questions que tu peux peut-être... peut-être utilisé ou pas, hein, pour évoquer ta préface. Tu évoques dans la préface l'idée que la mobilité est encore largement, très largement en friche dans sa dimension politique. Peut-être que tu pourrais expliquer un peu pourquoi tu fais une telle assertion et puis comment tu l'expliques. La deuxième chose, tu évoques l'idée que la métropolisation permettrait de rendre visibles les enjeux politiques de la mobilité et... dans le même temps que son institutionnalisation pourrait résoudre les problèmes de mobilité. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être développer ces deux points parallèles que tu évoques et enfin, dans une question subsidiaire que je te lance, tu mentionnes l'absence d'institutions pertinentes pour répondre à l'irruption de nouvelles formes de mobilité. Est-ce que la métropole est une réponse à ça ou bien pas du tout? Voilà les possibles pistes que je te lance pour évoquer ta préface. Merci Philippe, je te laisse 10-15 minutes. Merci Étienne. Bon, alors je vais essayer de reprendre. D'abord, je voudrais remercier Arnaud, Maxime et Mathieu de m'avoir sollicité pour lire ce livre passionnant et pour écrire cette préface à partir des réflexions qu'elles ont pu susciter chez moi. Je crois que c'est un ouvrage important. Alors, j'avais lu les précédents, évidemment celui-là fait encore plus écho pour le politiste que je suis à des réflexions, à une participation de ma part, j'ai envie de dire. Les deux autres étaient un bel enrichissement pour moi. Alors, c'est vrai que si on regarde, pour reprendre ta première question, la thématique de la mobilité, bon, elle existe hein, en sciences politiques, mais on voit que dans des domaines comme la sociologie, l'aménagement, etc., elle a joué un rôle très fort
Elle a été, en sociologisme, une manière pour certains sociologues d'avoir remis en cause la question des structures, des systèmes, de ce qui ne bouge pas. La mobilité est un objet qui permettait de réinterroger des fondamentaux de la discipline lui-même. Ce qui n'a pas été le cas pour les questions de mobilité en sciences politiques, hein, où on est resté effectivement sur un objet spécifique, traité par des personnes qui finalement s'intéressaient aux politiques de mobilité, comme il y en a qui traitent les politiques de santé, ou les politiques de logement ou d'autres. Donc c'est resté un thème, alors même que, et je crois que c'est un des intérêts de cet ouvrage, on voit que la question de la mobilité interroge la question même de ce qu'est la politique. Parce que, évidemment, derrière le terme de mobilité se trouve la question du territoire qu'elle vient transgresser ou conforter. Et derrière la question du territoire se trouve la question des institutions, de leur légitimité, de leur gouvernance. Et donc, toutes ces questions sont évidemment au cœur de l'activité politique. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet ouvrage, c'est que je crois qu'il ouvre la porte et que cette porte, elle présente alors un long chemin de mobilité à prendre, je pense, pour que la mobilité ne reste pas la mobilité dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle aille beaucoup plus comme un objet qui permette de réinterroger la discipline sciences politiques pour ce qui concerne, parce qu'elle permet justement de réinterroger ce qu'est ce rapport complexe du territoire et du gouvernement, d'une façon un peu nouvelle, hein, on l'a vu, on a traité les choses à la fois sur la forme de ce qu'elle produit, hein, l'État en action, les gouvernements en action, les politiques publiques. On l'a vu aussi sous les formes de gouvernance avec qui elle s'institue. Mais on voit que son rapport au territoire, hein, qui pourtant, depuis au moins Max Weber et bien d'autres, est au cœur de la définition même de l'État. On rappelle toujours la définition de l'État, la partie de Weber sur le rapport à la violence. Mais il y a aussi une partie sur le rapport au territoire qui est fondateur de la notion d'État. Or, la mobilité, elle interroge évidemment cette question-là. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire dans la préface, c'est de m'inspirer des différents chapitres pour essayer de voir finalement quelles étaient les façons dont ça interrogeait ces usages politiques. Et ce phénomène de politisation qui existe, qui n'est pas nouveau, hein, on avait vu, finalement, si on regarde l'agenda politique au sens large, on voit qu'il y a eu des périodes où les questions de transport et de mobilité sont devenues beaucoup plus fortes que d'autres, et puis des moments où on les voit plutôt reléguées au deuxième rang des spécialistes, on va dire. Hein. On voit que les années 60 ont été des années importantes, 60 et 70, les questions de transport public, de ROCAD, de réorganisation de l'espace étaient présentes. On voit que les années 2000, le tramway notamment, ont venu bouleverser ces questions-là. Donc, tout d'un coup, ce sont des questions qui étaient, j'ai envie de dire sectoriel, pour reprendre un terme bien classique en politique publique, dans un secteur enfermé, puis d'un coup sont invités dans l'arène politique au sens large. Faire des tramways devenait un outil de légitimation politique extrêmement puissant. Et évidemment, ce que vous montrez bien dans l'ouvrage, et ce que j'essaie d'appuyer, c'est que le débat sur la métropolisation, qui n'est pas nouveau, mais qui a pris une dimension depuis une dizaine d'années beaucoup plus importante, hein. Évidemment, il y a des longs écrits sur la métropolisation depuis une quarantaine d'années, mais là, on voit que depuis 10 ans, dans le débat politique, c'est devenu quelque chose de très important. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours enchevêtrée à deux aspects, qui sont d'un côté les institutions et de l'autre, cette question de la mobilité qui est omniprésente. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de voir comment ces questions s'enchevêtraient, pourquoi elles s'enchevêtraient, de quelle façon. Or, ce qui m'a paru assez fortement évident en lisant le livre, c'est qu'il y avait deux formes assez fortes, distinctes, mais distinctes pour mieux se rejoindre, très certainement, deux formes de politisation de cette mobilité. La première, c'est celle de la critique de l'institution et du territoire. Finalement, on trouve l'usage de la mobilité, qui est sans doute celle qui est au départ très fortement portée par des entrepreneurs, des experts, des entrepreneurs, des chercheurs, des entrepreneurs politiques, qui finalement utilisent le terme de mobilité pour critiquer les politiques publiques en place, qui sont eux des politiques de transport, hein, l'usage des termes est évidemment un enjeu auquel moi je donne pas de sens, mais j'essaye de comprendre le sens qu'en donnent les acteurs. C'est une manière de dire, nous on est du côté de la demande, on est du côté de la société, on est du côté du territoire vécu, on est du côté du territoire que les gens vivent, et ces gens-là,
eh bien, ils sont embarrassés par ces politiques de transport et par ces institutions. Pourquoi ils sont embarrassés? Parce qu'évidemment, une politique de transport, c'est une politique d'ordre. Une politique de transport, c'est une politique qui donne de l'ordre, c'est-à-dire elle dit qui sont les... où doivent aller les voitures, pour reprendre ce que disait Mathieu, hein, évidemment, la voiture d'abord, où doivent aller les piétons, où doivent aller les transports publics, hein, qu'on a voulu d'abord séparer dans un royaume à part, hein. Il y a le royaume du métro, par exemple, c'est vraiment, on a construit un monde des transports qui ne s'est pas mélangé au reste, ou alors on a mis des bus, mais qui se conformaient à cet ordre-là, donc c'est une logique de l'ordre, et la mobilité, c'est une logique de désordre. Regardez les pratiques. Les individus ont des pratiques qui viennent bousculer l'ordre en place, qui viennent, alors, ce soit les histoires de trottinettes dans lesquelles on ne sait plus très bien dans quel ordre ça se passe, est-ce qu'il faut les mettre sur des trottoirs comme étaient les anciennes trottinettes, est-ce qu'il faut les mettre avec les motos, avec les vélos, enfin, on voit qu'il y a des objets hybrides qui évidemment émergent et viennent bousculer ces ordres, mais plus largement, que ce soit l'étalement urbain, que ce soit, etc., que ce soit le retour de la voiture, on a parlé des gilets jaunes et autres, on voit que il y a un usage du terme de la mobilité comme un usage de désordre pour dire ça ne va pas. Et le ça ne va pas ne fait pas que contester la politique publique en place. Et c'est ça qui évidemment est intéressant. Elle vient contester l'institution elle-même. Le territoire de l'institution est un territoire périmé. Donc on a des entrepreneurs qui ne font pas simplement que contester une politique, hein, comme on contesterait une politique du chômage, de l'emploi. Ils viennent aussi contester le territoire institutionnel. Alors, j'ai vu qu'elle est là, j'ai une doctorante, Maïmouna, qui travaille beaucoup sur cette notion de décalage. Donc, sa thèse est bientôt finie, donc on va pouvoir la lire, j'espère, avec plaisir. Le décalage vécu, cette notion de décalage, elle est utilisée par ces entrepreneurs politiques pour critiquer, bien au-delà d'une politique en place, ils critiquent les institutions eux-mêmes. Et c'est là qu'arrive le débat de la métropolisation. Il faut grandir, il faut des institutions plus grandes pour pouvoir répondre à ces demandes. Et finalement, ceux qu'ils portent, que ce soit des chercheurs, que ce soit des politiques, sont une manière de trouver, de définir un territoire dans lequel ils sont eux-mêmes, ils sont même tranquilles d'une certaine façon. C'est-à-dire, regardez, vous ne prenez pas en compte, vous, les sous-entendus, les politiques, les institutions, etc. Vous n'êtes pas ceux qui prennent en compte les besoins des citoyens. Nous allons vous expliquer qu'il existe d'autres territoires qui sont plus à même. Donc, il y a un enjeu derrière la mobilité de critique politique et donc de politisation par la critique. Et puis, deuxième élément, et je finirai là-dessus pour essayer de rester dans le temps que tu m'as imparti, c'est que, évidemment, il y a une deuxième phase. Et c'est ça qui, évidemment, ressort bien de ce livre, c'est que derrière la phase du désordre politique, il y a une phase de remise en ordre et de conquête. Le terme « mobilité » vient également et réapproprié et redéfini par de nouveaux entrepreneurs, parfois les mêmes que ceux qui, parfois c'est ceux qui critiquent qui arrivent au pouvoir, parfois c'est d'autres qui veulent le pouvoir, mais en tout cas, et recritiqué pour pouvoir conquérir de nouveaux espaces. Alors, on le voit avec la loi MAPTAM, on voit avec la transformation, le terme mobilité devient non plus un enjeu critique, mais un enjeu de légitimation. Nous sommes les institutions qui veulent s'occuper des mobilités. Ça a commencé la discussion en me demandant un petit peu comment elle recherche. Merci. Voilà, reprend le contrôle du territoire. Merci, Étienne. Cet enjeu, il devient un enjeu, et on le voit bien alors à Lyon, parce qu'à Lyon, ça a été vraiment un enjeu très fort. La mobilité, et puis tu as cité le Grand Paris Express, c'est le moyen de dire voilà la nouvelle institution. Et quand on voit le Grand Paris et le Grand Paris Express, comment ils ont été ensemble, on voit bien, et puis les enjeux institutionnels, politiques, que le terme de mobilité a changé de côté et il est devenu un outil de légitimation de ceux qui veulent conquérir du pouvoir, de ceux qui veulent s'agrandir ou de ceux qui veulent installer une nouvelle institution qui n'est pas encore très installée dans le paysage politique. Et donc, finalement, les grandes métropoles, elles commencent d'abord par s'occuper de ces mobilités au sens large, de ces nouvelles. Et on voit bien que c'est par les mobilités que les métropoles, dans la loi MAPTAM et puis plus tard, deviennent des instruments légitimes. On a besoin de métropoles et on a besoin de métropoles de plus en plus grandes parce qu'il faut répondre à ces besoins de mobilité. Donc, finalement, ce qui était un outil de critique pour dire « Oh, là, regardez votre découpage, votre fragmentation », pour dénoncer l'incapacité politique, devient un outil, au contraire, de légitimation de nouvelles institutions.
On ne sait jamais où s'arrête le territoire. Hein. Après, ça peut devenir de plus en plus grand. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce jeu de l'ordre et du désordre, une sorte de dialectique antinomique, est permanent et peut se rejouer à nouveau. C'est ce qui est intéressant, c'est que le terme de mobilité, à la différence d'autres termes sur lesquels moi j'ai travaillé, hein, que ce soit des mal logés ou d'autres, c'est un terme qui peut être dans les deux camps. Il y a des termes, chômage, ça peut être que dans un camp, c'est le terme de la critique politique. Il y a des termes qui portent en eux-mêmes le stigmate du problème. Le terme de mobilité, il est neutre d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il peut être repris dans les deux camps, le camp de la critique politique et le camp de la légitimation politique. Et je trouve que votre ouvrage, il ouvre bien cela. Et du coup, il réinterroge quelque chose qui finalement apparaissait, hein, j'ai envie de dire, de faire l'analogie, et je terminerai là-dessus, entre la science politique et la sociologie. La sociologie a utilisé un peu la mobilité pour remettre en cause une analyse un peu trop structuraliste. Eh bien, nous, ça réinterroge le rapport du gouvernement et de son territoire, hein, qui a un peu été laissé de côté d'une certaine façon. Comment se construit la légitimité politique à travers la redéfinition des territoires, à travers la conquête de nouveaux territoires? Cette guerre des territoires, elle est extrêmement présente depuis avec ce phénomène de métropolisation, et on le voit très bien. Donc voilà, et je crois que j'espère que j'ai répondu à tes questions, Étienne, et respecté le temps, j'ai pas trop fait gaffe. Tout à fait, oui, t'as encore même 2 minutes. Donc... Voilà, donc c'était un peu, en tout cas pour finir, voilà, le désordre politique et l'ordre politique, parce que finalement c'est cette dialectique de l'ordre et du désordre qui m'intéresse beaucoup, elle trouve dans la mobilité vraiment un écho extrêmement intéressant, qui n'est pas fini, et qui va continuer. Alors je note, je sais plus, je crois que c'est Arnaud qui l'a dit, après on va voir peut-être qu'il y a la démobilité, on va voir comment ça va devenir... Le Covid va-t-il bousculer cette façon d'aborder la mobilité? Très certainement. Mais voilà. Et donc, je trouve que votre ouvrage, de ce point de vue-là, il ouvre, il oblige, en tout cas pour les sciences politiques, à réinterroger ce rapport du territoire et du gouvernement, qui me semble central aujourd'hui, dans tous les niveaux et à toutes les échelles. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir tenu le temps et d'avoir été synthétique. Et ça va faire écho, effectivement, à peut-être ce que Jean-Marc Offert va évoquer, peut-être, lorsqu'il parle aussi de démétropolisation. Et c'est peut-être aussi en lien avec ce que nous dira peut-être Pierre Vermeyren sur la légitimité de cette notion, de ce phénomène de métropolisation. Mais avant cela, on va revenir un peu plus en détail sur l'ouvrage et donc questionner un peu plus les trois organisateurs, les trois directeurs de l'ouvrage, pour revenir sur des questions que Arnaud a déjà évoquées, notamment sur la question du décalage entre Paris et la province, sur les différences, les points de convergence au niveau de la métropolisation et des mobilités. La question, évidemment, comme tu l'as évoqué, Philippe, et puis Mathieu, sur la place de l'automobile, où on voit bien dans la deuxième partie qu'il est fait une place assez importante à l'automobile, et la question de savoir comment on va basculer à autre chose dans le schéma métropolitain. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? Et effectivement, donc, toujours dans les questions de métropolisation et de mobilité, on voit bien que vous commencez effectivement dans l'introduction à parler du Grand Paris et du Grand Paris Express, et donc des tramways notamment, et des transports en commun, et donc montrer que la métropolisation est favorable à ces transports en commun, mais en même temps qu'elle pérennise aussi la dépendance automobile. Comment on fait pour appréhender ce double phénomène de transports en commun déployés dans un certain dynamisme métropolitain, de centre métropolitain, et jusqu'où on peut aller, et en même temps cette difficulté ou cette force peut-être de l'automobilisme qui continue à pouvoir attirer ou pouvoir être déployé dans les territoires périphériques, métropolitains. Je ne sais pas qui veut se lancer, Maxime, Mathieu, Arnaud. Moi, je peux le faire peut-être, mais sur un aspect qui serait peut-être justement la remise un peu en histoire de ça. Le livre n'est pas beaucoup historien pour P2M, mais peut-être j'en profiter pour essayer d'avoir une réflexion un peu historienne. C'est que grosso modo, en fait, cette métropolisation qui s'avère au final produire à la fois du tramway
du BHNS, du GPE à l'échelle parisienne, et à la fois produire du territoire automobile et de la voilà, la cohérence en fait, puisque c'est quand même une contradiction un peu apparente. La cohérence, elle est peut-être cherchée dans l'histoire justement, dans le fait que la ville, la métropole, l'accroissement, on va dire le dépassement de d'échelle très, très pédestre, etc., vers des métropoles telles qu'on le connaît depuis au moins le 19e, même si on a eu un petit peu évidemment avant en période pré-industrielle, eh bien en fait elle va c'est la ville des flux, c'est la ville des flux, et cette accélération, cet accroissement, il prend son sens d'abord dans les flux ferroviaires, mais finalement il y a une logique commune à ces formes de massification et d'accélération. Et si on regarde l'essor de cette mobilité, de cette accélération du monde, eh bien, il n'y a pas d'incohérence entre l'automobile et les autres systèmes. On est vraiment dans une même logique. Et c'est peut-être justement cette logique qui atteint un certain nombre de limites aujourd'hui, mais eh bien, c'est celle en fait, d'un rapport au temps linéaire, de l'idée du progrès technique, une forme aussi du capitalisme quelque part, et donc de ces formes d'accélération. Et donc, je trouve qu'il y a, cette cohérence, finalement, vient de la vision de cette urbanisation industrielle telle qu'elle, que finalement, on essaie de la gérer encore aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire peut-être sur cette question, Étienne. Merci, merci Arnaud. Maxime ou Mathieu? Maxime ou Rachel? Oui, on suit l'ordre protocolaire qui a été défini. Moi, je voudrais revenir pour aussi répondre à tes questions et toujours introduire ce débat sur Stop ou encore qui m'intéresse particulièrement hein, dans le cadre de nos réflexions communes. Je voudrais ajouter que ce qu'on a pu observer dans le cadre des travaux qui ont eu lieu lors du séminaire P2M et qui sont en partie relatés dans cet ouvrage, c'est quand même de noter la place qu'occupent aujourd'hui les politiques de mobilité et de transport dans les agendas politiques urbains, et notamment métropolitains. Et ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui. Alors, ça peut s'observer à différents niveaux. Ça s'observe déjà quand on regarde les financements des politiques publiques, où on voit que l'un des premiers budgets, c'est quand même le budget transport, mobilité, entretien des voiries, etc. Donc, on voit quand même l'importance qu'occupent ces politiques publiques dans les agendas urbains. Et on a réfléchi donc ensemble dans cet ouvrage hein, collectif à pourquoi finalement la mobilité aujourd'hui occupait une place si importante dans les agendas métropolitains et pourquoi finalement elle occupait une place si invisible quelque part dans le périurbain et dans les territoires moins denses. Donc effectivement, Philippe Zitoun l'a bien rappelé, il y a des enjeux de légitimation politique, il ne faut pas oublier que la mobilité c'est aussi une manière de dégager pour les élus des ressources dans la compétition politique électorale, de visibilité, de mise en action, mise en scène d'une action politique qui s'adresse directement aux citoyens. Puis ça permet d'activer des imaginaires, hein, des imaginaires du développement économique, des imaginaires de la technologie, des nouvelles technologies, etc. Donc, On a la légitimation politique qui est importante dans ce processus de mise à l'agenda de légitimation politique dans ces processus de mise à l'agenda de la mobilité des transports. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des mobilisations sociales récentes autour des questions de mobilité de transport et d'où la couverture aussi de cet ouvrage, hein, la mobilisation des Gilets jaunes qui remonte finalement à pas si longtemps que ça. Malgré que l'actualité n'en parle plus beaucoup. Et on voit que cette mobilisation, d'ailleurs, elle se tient aussi dans une métropole. Ici, on est au plein cœur du centre de l'agglomération lyonnaise. Mais en tout cas, elle interroge aussi, elle fait aussi que cette question de la mobilité est devenue une question politique de plus en plus importante. Alors, nous, on se pose la question légitime entre collègues de savoir est-ce que finalement cette invisibilisation des enjeux politiques de la mobilité dans les périphéries urbaines qui tranchent avec celles des grandes métropoles, est-ce qu'elle n'est pas finalement liée peut-être à, on va dire, à la prégnance de l'automobile qui passe aujourd'hui pour une pratique
une pratique déviante presque, j'ai envie de dire, ou en tout cas une pratique qu'on cherche à effacer, peut-être du discours politique ambiant. Ou est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence de le manque de structuration politique de ces espaces périurbains ou peu denses, et le manque de moyens aussi qui peuvent être initiés, dégagés dans ces espaces. Voilà, donc c'était pour alimenter quelques réflexions sur le titre de cette journée aussi, Stop ou encore la métropolisation. Mathieu ? Et j'abonderai sur le titre et sur les propos et l'approche sémantique qui a été développée là, parce qu'effectivement, il faut bien nommer les choses, je pense. Et il y a beaucoup de registres de discours que le livre traduit nécessairement, qui visent à amoindrir finalement dans un contournement technocratique, dans un contournement administratif, des réalités qui sont pourtant bel et bien des réalités du quotidien. Et je prendrai là un tout petit pas de côté en explicitant quand même le fait que il faudrait quand même se méfier de prendre des rêves de chercheurs, parfois, de chercheurs académiques, pour des réalités quotidiennes. Et si j'ai insisté véritablement pour que la couverture porte sur la crise, Maxime, tu l'as dit, les gilets jaunes ont existé, je pense que ce qui risque de se passer, et dans une certaine indifférence, et avec un certain calme, nous en parlons aujourd'hui, quoique lorsque je lis Pierre Vermeuren, ça me rassure, il y a quand même des yeux qui s'ouvrent et on décile le regard sur une vraie crise. C'est-à-dire que les ZFE qui s'annoncent, donc les zones de faible émission, qui vont finir par exclure un véhicule individuel, et moi je ne parle pas d'automobile, je parle de système automobile et d'automobilisme, on est quand même devant quelque chose qui est devant nous. Et l'amoindrissement, ou plutôt l'anesthésie actuelle de la crise Covid est véritablement, un cache-sexe, une illusion d'optique sur ce que peut devenir la métropole. C'est-à-dire que je ne vois pas de démobilisation, je ne vois pas de démobilité, loin de là. Et en tout cas, les attentes qui se tendent comme un ressort, là, vont être extrêmement problématiques. Parce que ce qui sous-tend tout de même notre approche aussi du sujet à tous, c'est un moment qui paie. Et qui paie ce type de déplacement que l'histoire nous a montré depuis 2 siècles, toujours en expansion, toujours en cumul, toujours en sédimentation, et on peut le regretter, mais il y a là des éléments qui ne relèvent pas simplement du discours, mais qui relèvent aussi des pratiques quotidiennes. Donc, je tire la sonnette d'alarme sur une méfiance vis-à-vis d'une approche qui serait trop linéaire, trop tranquille, trop universitaire, trop académique, parce que véritablement les prochaines élections régionales, où les métropoles sont un problème, où le texte de Pierre Mansa que j'ai tenu à diffuser cette tribune là sur l'invisibilisation des problèmes, les vrais problèmes, ne serait-ce qu'à l'échelle du Grand Paris, qui pourtant est sous les projecteurs et dans l'assistance, il y a des gens bien plus compétents que moi pour constater l'échec de ceci, les délais évidemment désormais totalement flous, l'enveloppe budgétaire totalement incontrôlée de quelque chose qui s'appelle le Grand Paris Express. Donc, en disant cela, évidemment, j'ai bien conscience d'ouvrir 2-3 petites portes. Je ne voudrais pas focaliser simplement sur une dimension polémique le débat, parce que ça fait quand même, on l'a rappelé, 20 ans qu'on travaille la question. Et donc, c'est aussi avec quelques raisons qu'on peut alerter sur l'agenda politique qui me semble beaucoup trop tranquille sur cette question. Et si ça n'était pas adossé à des problèmes plus significatifs de populisme, des problèmes plus significatifs de désindustrialisation et de dévitalisation des territoires, je dirais qu'on pourrait en parler tranquillement. Ben, je pense que c'est le moment aussi pour la communauté académique de se mobiliser pour réfléchir un peu violemment les questions. Merci Mathieu. Est-ce que Arnaud ou Maxime voulaient réagir avant que je passe peut-être la parole à Jean-Marc Hoffner ? Ouais, je vais passer la parole à Jean-Marc Hoffner. Merci Jean-Marc Hoffner d'être présent et donc de pouvoir offrir une vision qui va peut-être élargir un peu celle du Grand Paris et de parler de la métropolisation, notamment avec ce petit ouvrage que vous avez fait paraître comme su, notamment sur donc Métropole invisible, les métropoles au défi de la métropolisation. Peut-être vous lancer avec quelques questions sur la postface donc, que vous intitulez Métropole mobile au pluriel.
et notamment un souhait de, dans cette post-fac de distinguer infrastructure et services, transport et mobilité, comme l'a évoqué déjà Philippe Zitoun, projet et politique. Donc il y a ces distinctions peut-être à faire d'un point de vue politique et d'un point de vue aussi de scientifique. Le deuxième point, ce serait la question de certains modes qui sont, comme vous le dites, hors de contrôle des AOM, donc des autorités organisatrices de mobilité, que sont la voiture et la marche, et la prédominance de la mobilité qui est vue par des experts, qui sont des experts de transport en commun. Donc là, on a bien une ambivalence, une tension qui se fait jour. Peut-être que vous auriez des suggestions pour en sortir, ou des pistes peut-être. Et enfin, et je pense que ça fait le lien avec ce petit opuscule que vous évoquez, sur le fait d'un aggiornamento cognitif, et peut-être expliquer un peu ce que vous entendez par là, et notamment peut-être la question de la démétropolisation qui amènera peut-être le contrepoint avec les informations que Pierre Vermeeren pourra nous donner. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Bonjour aux vieux et jeunes amis, aux anciens et récents collègues. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je vais me permettre deux préfaces avant mon exposé. D'abord, Philippe Zitoun parlait d'un phasage sur les dernières décennies, de moments de plus ou moins grande visibilité de ces questions. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est une visibilité assez constante, alors qui ne porte pas forcément sur les mêmes objets. Hein, ça peut être une fois le tramway, une fois l'invention du versement transport, une fois les plans de déplacement urbain, mais l'action publique a quand même beaucoup produit dans des dispositifs divers. Et si on regarde les campagnes municipales, c'est omniprésent. Voilà. Donc, ça me semble intéressant. Alors, c'est peut-être pas visible dans les bibliographies académiques, mais ça, c'est une autre affaire, parce qu'il y a eu un monde de la recherche sur les transports avant que les vrais historiens et les vrais politistes s'y intéressent, parce qu'il y a par exemple ce qui s'appelait l'action thématique programmée socio-économie des transports, où il y a eu beaucoup de travaux alors, qui ont été peut-être moins visibles, mais qui étaient assez substantiels et qui permettraient peut-être d'avoir une histoire plus contextualisée à la fois de ces politiques publiques de transport et de leur observation par les chercheurs. Et puis deuxième remarque, j'hésitais à le faire, mais autant le faire maintenant, parce que c'est un autre désaccord avec Philippe Zitoun, mais ça sera intéressant. Alors pour le coup, moi, alors d'une part, je pense que la grande affaire de l'articulation entre espace fonctionnel et territoire institutionnel est une constante depuis que le politique existe, hein, depuis Aristote jusqu'à nos jours, et que effectivement la question des déplacements active, actualise cette question, mais qu'elle est vraiment structurante de la question des institutions politiques et de leur réforme et de leur découpage impertinent. Et puis, enfin et surtout, je pense que la métropole au sens institutionnel du terme, telle qu'elle a été créée par la loi et telle qu'elle a été mise en œuvre, est le contre-exemple parfait. C'est-à-dire que à part Lyon, aucune métropole et le Bourbier ex-Marseille qu'on met en note de bas de page, à part Lyon, les 13 autres métropoles n'ont pas changé de périmètre. Voilà. Le bouquet étant évidemment la métropole du Grand Paris qui, certes, a changé de périmètre, mais a réduit son périmètre par rapport au syndicat des transports d'Île-de-France. Voilà. Donc, en termes de territoire géographique, s'il fallait dilater, ce qui n'est pas ma solution, mais s'il fallait dilater, ça n'a pas été fait, et il n'y a pas eu de compétence stratégique du point de vue de la gouvernance des déplacements qui a été ajoutée au panier métropolitain. Voilà. Alors, je pense que le cas lyonnais est très particulier, mais comme la capitale des Gaules n'a pas forcément à être notre modèle réflexif, voilà, moi je fais une autre analyse. Alors, pour revenir à ce que je raconte dans ma,
dans la postface. Effectivement, moi, j'étais déjà étonné en tant que chercheur, et je le suis encore plus aujourd'hui quand je vois comment tout cela fonctionne, par l'étonnante capacité du monde des transports collectifs. Quand je dis le monde des transports collectifs, c'est un monde technico-politique, hein, un secteur, comme auraient dit Jobert et Muller, hein, fait d'élus, de techniciens de l'État, de techniciens locaux, d'entreprises publiques ou privées. Donc la capacité du monde des transports collectifs à faire croire qu'il s'occupe de mobilité. Alors moi j'ai mon lexique, mais j'ai été très, très, très content de voir que tous les auteurs étaient très, très rigoureux du point de vue sémantique et qu'il y avait effectivement bien ce que porte votre association, un distinguo clair entre transport et mobilité. Moi, je mets déplacement entre les deux. Moi, j'ai trois catégories en trois. Je pense qu'on accède vaguement là aux questions de déplacement. On est encore loin des questions de mobilité, mais bon. Donc, le petit monde des transports collectifs qui s'arroge effectivement le lexique et la sémantique de la mobilité, y compris des institutions qui n'ont aucune compétence de quelque ordre qu'elle soit sur des questions dépassant les transports collectifs. Hein. Et ce petit monde des transports collectifs qui fait ce hold-up sémantique, d'une certaine manière, il joue sa carte. Il joue sa carte, mais on lui laisse jouer sa carte. Donc on empêche à la fois d'avoir cette évolution ou cette révolution conceptuelle et surtout méthodologique. J'insiste beaucoup sur les questions de méthode. Si on compte des voitures, on est dans les flux, on est dans les transports. Si on compte des kilomètres de voirie vélo, on est dans l'infrastructure, on est dans les transports. On n'est même pas encore dans les déplacements. Être dans les déplacements, c'est s'intéresser à minima aux origines, aux destinations et aux motifs. Donc, on est sur des politiques de transport et on empêche cette révolution méthodologique et surtout, on coince, entre guillemets, la gouvernance des déplacements à travers des autorités organisatrices de transport, désormais autorités organisatrices de mobilité, qui restent dans leur univers, qui est l'univers des transports collectifs, même s'il y a quelques vélos en location et une application de covoiturage. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, parce que, évidemment, les problèmes se passent à peu près exclusivement là où il n'y a pas de transport collectif, et là où il y a de bonnes raisons qu'il n'y ait pas de transport collectif. Regardez pour vos prochains projets de recherche l'hallucinante affaire des RER métropolitains. La SNCF a réussi à faire gober à nos meilleurs élus qu'un RER métropolitain, déjà le mot est incroyable, un réseau express régional métropolitain, que les RER métropolitains vont sauver la planète. Avec des régions qui sont complices, puisque les régions se sont, pour le coup, institutionnellement légitimées en mettant leur logo sur des TER, et continuer à penser que leur région peut être structurée par des TER qui, en termes de partage modal, doivent faire moins de 1% de volume de déplacement. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a un gros boulet qui résiste étonnamment, qui résiste. Et de ce point de vue-là, moi, je trouverais intéressant que vous qui avez le temps, que vous vous pensiez sur cette affaire. Pourquoi une telle résistance de ce tout petit monde, au-delà d'une hypothèse un peu bancale, mais qui a probablement son lot explicatif, du modèle parisien. Voilà, du modèle parisien. En plus, quand on a des ministres qui sont passés par la RATP et la SNCF et qui n'ont comme problème et comme dossier sur leur bureau ministériel la RATP, la SNCF et Air France, c'est vrai qu'on se dit que les questions de déplacement là-dedans sont un peu éloignées. Probablement aussi
même si la thématique monte dans les exécutifs métropolitains, j'ai demandé au PUCAL un petit travail là-dessus. Regardez les vice-présidences liées aux questions des transports, etc. Regardez leur nom, regardez leur hiérarchie. Ça a du mal quand même à monter, quoi. Ça reste quand même quelque chose qui est vu de façon relativement sectorielle. Voilà, mais c'est mon grand message, si je puis dire. Une représentation d'un monde de mobilité qui est beaucoup trop formaté par les outils, l'histoire du monde des transports collectifs. Au-delà du fait que, évidemment, il ne s'agit pas d'être pour ou contre les transports collectifs, c'est pas le sujet. Hein, je raconte quand même, je reprends un petit chiffre qui est intéressant. Sur la métropole bordelaise, si on compte en kilomètres parcourus, qui est un très bon indicateur, qui est un meilleur indicateur que le partage modal stricto sensu, 75% des kilomètres parcourus le sont en voiture. Et sur la Gironde, c'est 90%. Donc effectivement, quand je dis en rigolant qu'on passe beaucoup d'énergie à s'occuper du vélo et du transport collectif et que le vélo et le transport collectif sont de fait marginales dans le système de déplacement, ça jette un froid, mais pour autant, ça ne fait pas changer beaucoup la manière de travailler des gens. Alors, pour finir et pour faire la transition, ce métropole bashing-là, évidemment, qu'est-ce qu'on met derrière ça, hein, avec quand même des postures idéologiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est quand même toujours un peu embêtant, et qui mêle effectivement la critique de la surconcentration, la critique de la globalisation, la critique de la surdensité, et mille et une choses. Alors, moi j'ai une définition de la métropole qui est partagée par d'autres. Pour moi, la métropole, ce n'est pas juste des villes plus grandes. Ce n'est pas juste des villes plus grandes où il y a plus de monde. La métropolisation, c'est un processus. C'est un processus de mise en réseau des territoires. Voilà, c'est pour ça qu'Angoulême, avec son festival de la BD, peut à juste titre considérer qu'il fait partie d'un système métropolitain. Et c'est pour ça que Pierre Veltz peut dire à juste titre que la métropole qui nous intéresse, ça peut être la métropole France, avec la région parisienne et les lignes de train à grande vitesse qui relient la dizaine de métropoles un peu inscrites dans la globalisation. Parce que dans les rues de Bordeaux, la finance globale, on ne la voit pas beaucoup. Hein. Un peu plus dans les vignes du Médoc, mais pas dans les rues de Bordeaux. Si vous acceptez la définition de la métropolisation comme processus de mise en réseau des territoires, donc des systèmes métropolitains interdépendants, avec des interdépendances qui sont économiques, mais pas seulement, qui sont aussi sociologiques, culturelles, etc., là, vous avez, je dirais, des marges de manœuvre pour repenser la métropolisation, pour effectivement se dire que on peut jouer avec ces interdépendances, on peut jouer avec l'orientation de ces interdépendances, les flèches peuvent être dans les deux sens, et que de toute façon, la mobilité prise dans un sens finalement de la mobilité comme vecteur d'interaction et d'interdépendance, ce qui permet de mettre aussi dans le coup la non-mobilité, les télécoms, le numérique, etc. La mobilité comme outil de mise en relation est consubstantielle de ce processus de métropolisation. Ce qui est donc une raison supplémentaire pour s'émouvoir de notre incapacité à gouverner la mobilité et de façon plus générale pour l'urbaniste que je fais semblant d'être, à gouverner les flux, les circuits, les réseaux, les liens. Si on a une partition du monde terrestre en deux, les lieux, les parcelles, les surfaces, les périmètres d'un côté et les liens, les,
les réseaux, les circuits, les interactions de l'autre. On sait à peu près, et c'est bien une affaire de territoire politique, effectivement, et je rejoins là Philippe Zitoun, on sait peut-être à peu près gouverner les surfaces, les airs et les liens, mais on ne sait pas du tout gouverner. Et certains d'entre vous sont intéressés à ces questions, tout ce qui est de l'ordre de, justement, de ce qui s'affranchit des limites et des périmètres. Voilà, trop succinctement, trop rapidement, mais quelques idées à mettre en débat. Merci beaucoup d'avoir été synthétique et de respecter le temps. Et effectivement, cette vision donc, de votre posture de directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine va pouvoir être mise en élargie par Pierre Vermeret.